I'm so lit, you're just it, you're all I want. Kicking back for a minute. J'ai rendu la voiture. Du coup, je me dirige vers la gare. Il est 14h22 comme ça, mais bon. J'ai quand même, je marche tranquillou. Et après, comme ça, moi, je vais arriver à la gare tranquille. Je serai pas en mode pressé, tout ça. Je crève la dalle, clairement. Je vous jure, je crève la dalle. Mais je sais pas. J'ai bien envie de manger un bonbon ce soir. J'irai. Sinon, je rentre à la maison, je vais me faire à bouffer parce que il y a des choses dans le frigo. Du coup, là, je vais, comme je vous l'ai dit, je vais peut-être appeler Jocelyn, tiens, pour savoir ce qu'il fait ce soir, parce que j'arrive à 18h35, donc je vais lui demander ce qu'il fout. Je sais pas s'il ira au basket ou pas, je sais pas, je verrai bien son programme du jour. J'ai tellement faim que j'ai la tête qui tourne. Clairement, quoi. Truc de malade. Mais je sais même pas quoi manger, là. J'hésite à me prendre un kebab. Je sais pas encore. Franchement, je verrai. En fait, le truc, c'est que j'ai envie de manger rapide, pas cher et sans prise de tête. Donc, la seule chose que je pense, c'est un kebab. J'avais bien envie de manger un bouboun, mais ça va me coûter la peau du cul. Voilà. Voilà, il va être 19h. C'est trop la dalle. En plus, à la maison, j'ai de quoi faire à manger, mais je sais pas quoi faire. En vrai, j'ai la flemme. Clairement, j'ai la flemme de me faire à bouffer. Donc voilà. Et puis voilà. Franchement, je pense que je vais me prendre un kebab. Je vais prendre ça. J'ai hâte de prendre un kebab. Flemme. En fait, je sais pas, j'ai une flemme de bouffer ce truc-là. Mais en même temps, je sais pas. Le choix est difficile, mais avant tout, il faut que je sorte de cette place de parking. Voilà. Donc, on va se bouger le cucu en sortant d'ici. Je suis trop amoureuse de cette chanson « À trop t'aimer » de Joey Zotfide. There are deal breakers where I come from. My family don't suffer, fools glad they know. Do we kiss and lie in bed to fill awkward silences? Do we feel emptiness afterwards? Je suis rentrée à la maison, je suis arrivée depuis 10 minutes à peu près, 10 ou 15 minutes. Sans surprise, je me suis pris un kebab. Voilà, franchement, c'était le choix de la facilité. Regardez-moi la bête. Voilà, voilà, voilà. J'ai demandé à avoir énormément de frites. Parce que j'adore ça, tout simplement. Je vais manger devant ma série Working Moms. Franchement, c'est une série qui est tellement marrante. J'adore. Du coup, j'ai regardé ça et puis manger. Et après, j'ai défait ma valise. Pourquoi pas continuer à monter la vidéo, ou dans les pires des cas, je vais prendre une douche et me coucher. Voilà le programme de ce soir. Painting pictures with my body. There's just something about me. When I get around you, I move so different. When you're watching, there's just something about me. When I get around, I save my lips for kissing. Baby, come and listen to the language in my vibe. I don't need words to show you. I wanna get to know you. There's a message for you too. Ça fait du bien de retrouver ses cheveux naturels. Là, ils sont un peu secs. Voilà. Il va falloir que je fasse un soin. Mais un de ces soins pour les leur redonner vie et tout. Parce que franchement... attendez, parce que j'ai l'impression que je ne me vois pas assez. Ouais, donc je disais leur redonner un peu de vie.
Parce que là, ça se voit pas, mais ils sont super secs, hein. Et d'ailleurs, ça m'étonne encore qu'ils ont la forme et tout. Et j'ai l'impression qu'ils ont un peu poussé. Un peu beaucoup, même. Bref, on verra. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que je les coupe. Demain, je ferai un shampoing. C'est clair et net. Et puis, je vais me coiffer, mais avec mes cheveux naturels. Soit je vais faire un truc comme ça, ou. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis contente d'avoir retrouvé mes cheveux. Attendez, j'essaie de me retrouver. Voilà. Ça fait un moment que vous n'avez pas vu mes cheveux en vidéo. Voilà. L'état. Sachant qu'ils sont pas lavés depuis une semaine et demie. Que j'avais gardé les braids durant une semaine. Donc voilà. Je sais pas s'ils ont ils ont poussé ou ils sont cassés. On va faire un check-in. Prends bien la mèche. Voilà. On va dire qu'ils ont un peu poussé, mais bon, faut que je coupe les pointes, quoi. J'ai perdu énormément de cheveux. Et j'ai d'énormes fourches. C'est un truc de malade, quoi. Mais je crois que j'ai perdu en épaisseur, ça c'est clair et net. Enfin bref. Là, je vais défaire ma valise, faire la lessive, et puis prendre une douche. Je pense pas que je vais monter la vidéo. Enfin bref, on verra bien. Mais en tout cas, pour le moment, je suis en train de rattraper toutes mes vidéos YouTube. D'ailleurs, depuis que je suis rentrée en France, c'est tout ce que je fais. Je regarde que les vidéos sur YouTube, hein. Et toutes les séries et films sur Netflix. Alors là, je sors tout juste du restaurant. C'était super bon. J'ai grave, grave mangé. J'ai mal au ventre pour vous dire. Là, je vais rentrer à la maison, aller marcher un peu au parc, histoire de digérer un petit peu. Si j'ai le temps, ce que j'en doute fortement parce qu'il est déjà 15 heures, je vais bosser un petit peu sur le montage de la vidéo et après, j'y vais au ciné. Et je vais toute seule parce qu'aujourd'hui, c'est une journée solo. Voilà. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre une journée pour moi, vraiment, où je me fais plaisir, tout simplement. C'est une journée totalement solo avec ma propre personne. Bon, je vais bouger un peu parce que le soleil là, il a tout gâché. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, c'est une journée vraiment avec moi où je ne mets pas trop la pression sur ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Seigneur, manger et monter une pente juste après, ce n'est pas la meilleure des solutions. Le concept de passer du temps avec soi-même, c'est plus Lena situation qui a popularisé la chose. En gros, maintenant, tout le monde essaye de voyager tout seul, de passer du temps avec soi-même. Ça, c'est un truc que je faisais il y a longtemps. J'ai toujours fait ça, en fait, passer du temps seul, avec moi-même. Je suis quelqu'un d'assez solitaire, donc ce n'est pas vraiment nouveau. Enfin, ce concept-là, genre adopter ce truc où il faut passer du temps avec soi. J'encourage énormément de personnes à faire ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, on prend du temps pour parler avec soi-même. On prend du temps également pour essayer de faire une auto-critique et surtout une introspection de soi-même pour soit se féliciter, soit dire bon, écoute, ces derniers mois ou ces derniers jours, t'as grave déconné, donc il faudrait peut-être essayer de te reprendre sur certains points. Donc voilà. J'adore être seule. Je voyage souvent seule. Après, je fais pas. Attends.
je vais nuancer quand même la chose. Je voyage seule, certes, je veux dire que c'est juste le transport, quoi. Parce que généralement, à la destination finale, je suis toujours chez quelqu'un. Soit chez un pote, soit chez la famille, donc voilà, quoi. Un jour, je ferai un voyage vraiment solo, dans un pays que je ne connais absolument pas, sans avoir de famille ou d'amis pour m'accueillir, où je ne pourrais pas maîtriser ce qui se passe. Voilà. Ça, c'est un truc que je dois absolument faire, mais comment vous dire que j'ai la trouille, clairement. Je viens tout juste de me taper 30 minutes de discussion avec une gentille dame et son frère, avec son chien. Comme quoi, les animaux, ça attire vraiment les personnes. On a eu une très bonne discussion sur les chiens, sur le quartier. Et on parlait du parc et tout. Franchement, une très 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 bonne rencontre. Je ne m'y attendais pas. Je vais me mettre à écouter un podcast, histoire de finir un peu ma balade. Attendez, il y a quelqu'un qui arrive. Bonjour. Je rencontre beaucoup de chiens aujourd'hui. ça me donne presque envie d'en avoir un, mais c'est beaucoup de responsabilités. Il faut accorder du temps et beaucoup d'amour. Avec ma vie où je suis toujours en train de voyager, et où j'ai à peine le temps pour moi-même, il vaut mieux pas que j'ai un animal chez moi. Voilà. Je viens tout juste de finir d'écouter un podcast sur le développement personnel. C'est un épisode du podcast Attention. Franchement, le sujet était vraiment bien. On parlait de la définition du développement personnel propre à chacun. Le fait aussi qu'on se met beaucoup trop de pression sur cette histoire de développement personnel qui commence à être hyper... comme si c'était un buzz, quoi, voilà. Il y a Karine qui disait qu'en fait, parfois, le bonheur, c'est juste ne rien faire. et ne pas se dire, mince, je n'ai pas fait ma méditation, mais j'ai pas fait ci, mais je n'ai pas fait ça. Parce que ça contribue pas au bonheur, justement. Ça fait une pression. En gros, cet épisode-là m'a conduit à penser que les journées solo, c'est ultra important. Beaucoup le négligent ces journées, ces semaines, ces mois solo, peu importe. Mais ces moments avec soi. Par exemple, lorsque j'étais à Bangui, j'avais très peu de moments seuls. Mais vraiment seul, quoi. Ce sont ces genres de moments où j'ai juste envie de faire des choses pour moi, quoi. Pas des trucs où je me sens obligée. J'avais une sorte de pression. Peut-être involontaire ou volontaire, je ne sais pas. Mais j'avais cette pression de toujours devoir faire des choses. Parce qu'il fallait le faire, parce que je devais le faire. Et je me mettais énormément de pression. J'arrivais pas à avoir des moments... C'est vraiment pour moi, quoi. Enfin, la maison est à 5 minutes du centre-ville. Mais le truc, c'est que... En termes de sécurité, si je voulais faire quelque chose, j'étais toujours obligée d'être accompagnée, d'être comme ça. Au bout d'un moment, ça me saoulait. Donc, 2 semaines avant que je prenne l'avion, j'essayais d'avoir des petits moments seuls où je partais au centre-ville, j'allais acheter des choses, je faisais quelques courses pour moi, je partais voir Warren. Voilà, quoi, parce que... J'en avais marre, en fait. Je sais pas si c'est la société centrafricaine qui fait ça, mais j'ai l'impression où, en tant que personne, je vais généraliser le cas, ben, on a du mal à avoir ces moments seuls. Et j'ai l'impression que, justement, avoir ces moments seuls, c'est assez mal vu. Bien évidemment, je peux totalement me tromper. Si vous êtes centrafricain, n'hésitez pas à me le dire dans la barre de commentaires si je me trompe totalement. Selon mon ressenti, j'avais l'impression que c'était assez mal vu de vouloir être seul. De pas vouloir calculer les gens, en fait, tout simplement. Parce que généralement, ils associent ce genre de comportement, en tout cas ce qu'on me disait à chaque fois, c'est... t'es insociable. Voilà, tu es insociable. Pourquoi tu te mélanges pas aux autres? Enfin, vous voyez ce genre de réflexion alors que c'est juste que je veux être seule. C'est tout, c'est juste ça. C'est juste qu'il y a des moments où j'ai envie de calculer personne, en fait. J'ai envie d'être
avec ma propre personne, tout simplement. Et depuis que je suis revenue à Brest, j'essaye d'avoir un peu plus ces moments-là. Parce qu'avant mon départ, je les avais tout le temps. Et depuis que je suis revenue, bizarrement, j'ai toujours voulu être entourée. Genre aller voir un tel, passer du temps avec un tel, toujours être dehors pour pouvoir faire des achats et tout ça. Ça a duré une semaine. Hein. Parce qu'au bout d'un moment, j'en avais ma claque. Depuis cette semaine, j'essaye de prendre beaucoup plus de temps pour moi. Et de profiter aussi de ces moments où je suis seule. Je sais pas pourquoi, j'adore ça. J'adore vraiment ça et je regrette pas du tout. Et je pense que ça doit se voir aussi à travers des vidéos maintenant là, depuis mon retour, que je suis un peu plus souriante à travers les vidéos. Et peut-être que je parais un peu plus apaisée également. Je sais pas, c'est à vous de me le dire dans la barre de commentaires. Comment vous me trouvez en ce moment? J'essaie de me mettre un peu moins la pression. Et ça, par contre, c'était un bon effet de bon guy que j'ai eu sur moi. Où je me mets moins la pression pour faire les choses telles que publier des vidéos et tout ça. Ou il faut absolument que je fasse ma séance de sport. Il faut absolument que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Voilà quoi. Je pense que le jour où je ferai un voyage solo dans un pays que je connais absolument pas, où je connais personne en fait là-bas, où j'ai pas de la famille ni des amis, ce sera lorsque je vais atterrir en Corée du Sud. Je vais tellement kiffer ces moments de solitude, mais à un point où vous serez pas prêt. J'ai trop envie de faire ce voyage. Je pense que je pourrais pas le faire cette année. Mais en tout cas, l'année prochaine, ce qui est sûr et certain, c'est que j'irai là-bas. Ça fait des années que je dis que j'ai envie d'aller et j'y vais pas. En tout cas, avant mes 30 ans, j'aimerais bien aller, quoi. Il me reste 2 ans avant mes 30 ans. Ah, ça fait bizarre de le dire. Depuis que je suis revenue en France, là, j'ai de plus en plus de boutons. C'est un truc, c'est incroyable, quoi. Alors que quand j'étais à Bangui, j'avais limite pas de boutons. Mais ici, j'en ai partout. Là, là, ça me fait des taches et tout. Je pense que c'est dû à la nourriture. Le sucre. Pourtant, j'ai juste mangé un gâteau. Quoique non, il y a du sucre partout. Je pense d'être l'eau aussi. Les produits laitiers. Moi, je soupçonne plus le produit laitier parce que lorsque j'étais là-bas, je consommais pas de trucs produits laitiers, genre le fromage frais, la mozzarella, des trucs comme ça. Fromage râpé, du lait tout simplement. En fait, tout ce qui était à base de lait, je consommais absolument pas. Et j'avais une peau nickel, quoi. J'avais peut-être des petits boutons, mais des boutons de chaleur ou des boutons dus aux règles ou les boutons de... Parce qu'il y avait trop de poussière, des trucs comme ça. Mais les boutons là que j'ai là comme ça, j'en avais pas du tout, quoi. Et là, ça me saoule. Ah, j'ai mal au ventre. Le chinois, là, j'ai l'impression que ça ne réussit pas. J'ai passé une excellente journée à rien faire, tout simplement, et ça m'a fait du bien. Je vous encourage fortement à avoir ce genre de journée où vous faites que dalle, où vous prenez du temps pour vous, pas forcément en allant au resto tout seul, ni en allant au cinéma tout seul ou faisant un truc tout seul, vous voyez. Si vous, votre journée parfaite, votre activité parfaite, c'est juste de rester affalé sur le canapé et regarder le plafond et penser, faites-le. Si pour vous, c'est marcher sans savoir où aller, juste marcher en pensant, en réfléchissant, en pensant à la vie, faites-le, clairement. Et encore une fois, si pour vous, c'est juste de passer un après-midi à regarder Netflix et de temps en temps à jeter un petit coup d'œil à travers la fenêtre pour voir comment les nuages avancent et se déplacent, faites-le. Le but étant de se sentir parfaitement bien, rester vraiment, vraiment focalisé sur soi, à se demander qu'est-ce qui nous fait plaisir, qu'est-ce qui nous fait du bien, et de ressentir et de vivre à fond ce moment. Moi, ça a été une journée où aller au restaurant toute seule. J'aurais bien aimé aller au cinéma, mais bon. Et aller marcher, je pensais juste faire mon petit tour. Et puis finalement, je suis restée discuter avec une dame et son frère qui est handicapé. On a parlé tranquille, on a parlé de chiens, de voyage, de Brest. Et voilà quoi.
Et après, je suis rentrée à la maison. J'ai vlogué ma journée. J'ai parlé avec des amis. J'ai parlé avec la famille. Et j'ai profité pour regarder Netflix. En vrai, prenez soin de vous, en fait. La santé mentale, c'est hyper important. Hein. On néglige souvent ça. Et kiffez votre vie à fond. Et si pour vous kiffer votre vie, c'est juste d'être posé au rebord de votre fenêtre avec un bouquin, une tasse de thé et regarder dehors, ben faites-le en fait. Il faut que vous vous reconnectez avec vous-même en fait, c'est ça le truc. Voilà. Bon, je vais pas m'éterniser, j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue non plus. Et puis voilà, moi je vais aller prendre une douche, me démaquiller et aller me coucher. Parce que demain... la journée risque d'être chargée. Très chargée. Allez les amis. Besos. Et prenez soin de vous. Ciao. Yeah,